pouce franc. Philippe Amgo, champion du monde de triple saut. Un centime, c'est jusqu'où tu vas me le payer. De l'énergie à revendre, tu pourras te mettre à genoux et prier. Ma guisard, je suis pas... Dernier d'une fratrie de 3 enfants, j'ai 2 grandes sœurs qui sont actuellement aux États-Unis pour leurs études. Donc j'avais un peu l'étiquette du petit frère, forcément. Je pense que mon enfance est très bien passée à ce vent. J'ai pas eu vraiment de problème. Je dirais tout simplement que j'ai passé une bonne enfance. Ce qui m'a poussé à faire de l'athlétisme, c'est le fait de vouloir suivre ma grande sœur. J'ai voulu sauter plus loin qu'elle, puisqu'elle faisait du sur longueur. Donc à ce moment-là, je me suis mis à l'athlétisme. Et j'avais eu la chance de faire des performances assez intéressantes, en plus de gagner. J'ai réalisé que je pouvais faire pas seulement du haut niveau, mais vraiment du très haut niveau. C'est-à-dire aller chercher des meilleures performances mondiales, aller chercher des titres de champion du monde, etc. Caris, moi, c'est quelqu'un de mon quartier, qui est de Sevran et de surcroît du quartier des Rougemont, même quartier que moi. Mes amis du quartier m'avaient demandé de faire le signe en hommage à Sevran. C'est pourquoi je l'ai fait. Et c'est une dédicace que je lui ferai à chaque fois. Déjà, moi, le rap, ça fait déjà un petit moment que j'en fais. Au début, on travaille sur des faces B. C'est vraiment un délire entre nous. Maintenant, moi, au niveau des projets, les gens discutent en ce moment. Je suis en pleine discussion avec 2-3 personnes et puis j'attendrai que le projet ait mûri avant vraiment de l'exposer. Les mêmes personnes qui regarderont mal ma mère seront les mêmes qui l'ont félicité quand je me rapprochais des 18 mètres. C'est pas grave, on sait que l'hypocrisie est humaine. Qu'il en soit ainsi, c'est pour ça que j'en réponds. Amen.